Depuis le dimanche 3 avril, les prix de course ont pris l'envol à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Dans les stations-service de la ville-province, les carburants s'est fait de plus en plus rares. Les transporteurs parcourent plusieurs kilomètres avant de trouver des pompes disponibles pour les approvisionner au prix officiel. Mais encore, faut-il être patient pour faire la file et attendre d'être servi? Pas donc étonnant de retrouver après plusieurs stations à travers les artères de la ville-province Kinshasa des dizaines de motos et véhicules alignés, comme c'est le cas de la station située au croisement des avenues Kabinda et Libération. Aujourd'hui, déjà, les stations sont pleines, remplies de motos, de bidons, de véhicules. On ne sait pas si la situation pourrait durer combien de temps. Alors, il faudrait qu'une politique puisse être mise en place pour voir comment est-ce qu'on peut résoudre ces problèmes, parce que ça risquerait de créer des disputes. Et tout à l'heure, là même, il y a eu pouvoir des bagarres et des discussions à cause de la pénurie du carburant. S'il faut prendre le carburant, il faut faire 4 heures du temps, 5 heures du temps, attendre pour se faire 2 litres, 4 litres, 5 litres. C'est qu'il n'est pas bien. Il n'y a pas un état conscient. Donc, il devait mettre toutes les personnes les moyens en jeu pourvu que les Congolais puissent se retrouver. Face à cette situation, les regards restent tournés vers les autorités congolaises appelées à prendre des mesures idoines pour juguler la crise. La difficulté d'approvisionnement en carburant constatée depuis ce matin est due à un souci technique et non une pénurie comme le font croire certaines bouches. Confirmation des entreprises pétrolières qui se chargent de stockage et de vente après une réunion d'urgence avec le ministre des Hydrocarbures. Didier Boudimbou nous dit, Séverine Pascal Katanda. Il n'y a ni pénurie ni hausse de prix des carburants dans la ville de Kinshasa. Ce qui a été constaté depuis hier avec la difficulté observée d'approvisionnement n'était qu'un souci technique qui en ce moment vient d'être résolu. Ayant constaté cette difficulté comme tout Kinois, Didier Boudimbou, ministre des Hydrocarbures, a convoqué urgemment une réunion ce matin avec les sociétés pétrolières comme SEP Congo, Engen, Kobil, Sona Hydroc et Total pour comprendre le fait. SEP Congo qui rassure la logistique et stockage confirme de disposer d'un stock devant servir les usagers. À l'heure qu'il est, SEP Congo se charge de ravitailler les stations-service pour desservir la population. Ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, les stocks étaient très bas et nous n'avions pas de visibilité. Et donc, apparemment, l'information a circulé, il y a eu un peu de panique en ville. Et donc, les clients se sont précipités sur les points de vente. Il y en a qui ont fait du stock et donc ça atterrit les stocks dans les stations. Nous avons pris des dispositions pour que toutes nos stations soient ravitaillées et servir les peuples. Donc ils seront servis, il n'y a pas de problème. Il y a des produits et ils vont acheter, ils seront servis. Le gouvernement et les opérateurs du secteur travaillent de concert pour trouver une solution en vue d'endiguer une hausse probable du prix des carburants au niveau mondial. Les stations sont livrées et approvisionnées. Et nous faisons tout ce qu'il faut en amont comme en aval pour pouvoir justement garantir le service et les produits dans nos stations Total Énergie. Nous rassurons les populations de ne pas s'inquiéter de ce point de vue-là, absolument. Ici est tout de même de rappeler que suite à la guerre entre la Russie et l'Ukraine, le pétrole connaît une hausse dans le monde. Voilà, la ville de Kinshasa vit depuis le week-end dernier une situation particulière. La pénurie du carburant dans les stations-service. Des longues files de véhicules sont observées dans ces stations. Du coup, la population subit de plein fouet les conséquences de cette pénurie. Le ministre répond à cette question. La première chose, c'est que le calme doit regagner notre population parce que pénurie, oui, mais il n'y a pas rupture de stock. Il y a eu un problème technique hier au niveau de la SEP par rapport à la distribution au niveau des stations. C'est ce qui a occasionné qu'il y a eu des stations qui n'étaient pas servies. C'est à cause de ça qu'on a eu ce mouvement-là. Mais suite à la désinformation, on a fait croire aux gens qu'on était en rupture de stock. Et vous savez que Kinshasa, c'est entre 14 et 15 millions d'habitants. Donc toute la population a pris les stations d'assaut pour essayer de s'approvisionner. Et ça a causé ce que ça a causé hier. On a tenu une réunion d'abord hier soir et ce matin encore avec SEP et le DG de Engen, de Total, le DG de Sona Hydroc et de Kobil. Et je peux vous garantir que dans quelques heures, la situation va rentrer dans la normale. Parce que là, les camions citernes sont en train de servir les stations. Mais le problème, c'est que les gens prennent d'assaut les stations parce qu'ils ont une certaine peur car il y a une certaine désinformation. Mais je tiens à signaler à l'opinion tant nationale que même internationale s'il le faut, que nous n'avons pas de problème de rupture de stock. Le stock, il y en a. En plus de ça, hier, il y a eu un bateau
qui est arrivé ce matin, encore un autre bateau qui est arrivé au niveau de Moanda. Donc je pense qu'on a encore assez de bons jours pour pouvoir servir notre population en termes de carburant. Voilà, les prisons de la République démocratique du Congo méritent d'être décongestionnées. La ministre d'État, ministre de la Justice, Rose Mutombo Kiese, a instruit les procureurs généraux de la République pour examiner les cas de chaque prison et prisonnier de la République démocratique du Congo. Des procureurs généraux de la République appelés à désengorger les prisons centrales, notamment celle de Makala, dans la ville de Kinshasa. Moi, j'ai demandé aux deux procureurs généraux de mener des inspections pour désengorger Makala. Je l'ai dit pourquoi, puisqu'aujourd'hui, au niveau du gouvernement, on sort beaucoup d'argent pour des gens qui pouvaient être condamnés ou libérés. Le processus est déjà enclenché sur instruction de la ministre d'État, ministre de la Justice, Rose Mutombo Kiese. Je les ai appelés pour leur demander qu'ils fassent leur travail à leur niveau, sinon il y aura des sanctions. Et comme il y a les équipes des inspecteurs de services judiciaires qui sont au niveau de Makala aujourd'hui, des services pénitentiaires qui sont à Makala aujourd'hui, j'attends qu'ils m'apportent le résultat final pour pouvoir prendre position quant à ceux. La ministre d'État de la Justice tient à remettre ainsi de l'ordre dans son secteur. C'est l'essence de cette série de séances de travail qu'elle a initiée à l'intention du personnel judiciaire ainsi que celui des centres pénitentiaires. C'est depuis le 2 avril 2022 que le ministre d'État en charge de budget, Aimé Bougie, est en mission officielle au Sud Kivu. Il poursuit sa mission dans ce coin du pays où il fait l'état de lieu sur la situation des fonctionnaires et sensibilise sur le programme de développement des 145 territoires et le soutien aux actions du chef de l'État. Suivez notre envoyé spécial, Rikin Zuziloya. De soutien et d'accompagnement aux actions du chef de l'État au Sud Kivu. La vulgarisation du programme de développement des 145 territoires de la RDC, les litiges de prise en compte des enseignants et fonctionnaires de la province du Sud Kivu sur la liste des payes, voilà en substance le contenu de la mission du ministre d'État, ministre du Budget, Aimé Bougie Sangara, dans cette partie de la République. À l'étape de Kamisimbi, dans le territoire des Walungu, Aimé Bougie est intronisé par le chef de groupement, symbole d'acceptation par sa communauté. Mwenye alininua. Nipatia hiyo cheo kabambi katika Congo ni Félix Antoine Tshisekedi, beau frère wetu. Il rappelle à cette occasion la reconnaissance que doit avoir la population du Sud Kivu face au bienfait du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il est notre beau frère. Il s'est marié chez nous à Mama Denise Nyakeru Tshisekedi et il nous a donné 7 ministères au gouvernement national. Quant au programme de développement des 145 territoires, il va offrir des centres de santé, des écoles, des routes, des bureaux et résidences des administrateurs des territoires et un apport substantiel à l'agriculture, l'adduction en eau potable et l'électricité dans les milieux ruraux. Nous, UNC, nous sommes dans l'Union sacrée. C'est pour soutenir le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, pour reconstruire le pays. Cette itinérance va se poursuivre dans les autres territoires du Sud Kivu. Le directeur général de la Société congolaise des postes et télécommunications tient Mordicus à mettre en valeur les concessions de la SCTP, jadis spoliée. Didier Moussetti a visité samedi dernier les concessions de cette entreprise dans la ville de Kinshasa pour se rendre compte de cette mise en valeur et par ricochet prouver qu'aucune concession n'a été vendue. Didier Moussetti s'est rendu tout d'abord à la concession Codeco située dans la commune de la Gombe. Ce bâtiment attend sa complète réhabilitation par la SCPT. La seconde étape de cette tournée, la concession sur l'avenue de la justice appelée DOP4, dont les travaux de réhabilitation vont débuter incessamment. Sur le haut commandement, la concession spoliée a été mise en valeur grâce à un partenariat avec une entreprise de la place. La dernière étape,
c'est la concession des ponts Gabu spoliés et récupérés par la SCPT. 27 parcelles ont été construites sur ces sites, qui lui aussi a été récupéré et mis en valeur par le directeur général Didier Moussété. Ce dernier dément toute rumeur de la vente de ces concessions. Ici, à Pont-Cabu, je peux vous dire que nous sommes en plein milieu d'un sol qui appartient à la société congolaise des postes et des télécommunications. Rien n'a été vendu, bien au contraire, sur ces sites qui étaient spoliés, pas mal, ici jusqu'à 27 parcelles morcelées lorsque nous sommes arrivés ici, directeur à l'accès. Et le travail qui a été rendu, battu par mes équipes qui sont là, mais c'est formidable. Nous avons pu récupérer toutes ces parcelles, des gens qui se prévalaient être des propriétaires depuis un temps, tandis que c'était un terrain de la poste. Rien n'a été vendu, comme l'a si bien dit le directeur général de la SCPT, Didier Moussété. La représentativité des femmes dans la prise des décisions et de lutte contre les violences basées sur le genre, participation politique et leadership, les points abordés lors de la conférence de presse organisée par la directrice régionale de l'ONU Femmes d'Afrique centrale et de l'Ouest, Oulimata Sarr, un récit de Mamita Bagoulou. Votre pays a déjà atteint 27% du quota de femmes au niveau du gouvernement, mais le rêve au niveau africain est d'avoir un État paritaire. C'est la petite phrase prononcée par Oulimata Sarr, directrice régionale de l'ONU Femmes pour l'Afrique du Centre et de l'Ouest, lors du face-à-face avec la presse au terme de sa visite officielle à Kinshasa du 28 au 31 mars dernier. Durant ce séjour de travail, Oulimata Sarr a été reçu premièrement par les chefs de l'État, ensuite par les deux présidents de deux chambres du Parlement et également par la première dame de la RDC, la CENI, où elle a rencontré le vice-président de la centrale électorale, était la dernière étape de ses échanges avec les autorités congolaises. Dans les portefeuilles de la directrice régionale de l'ONU Femmes contenaient les dossiers du plaidoyer pour la représentativité de la femme dans les postes de décision des différentes instances du pays, spécialement à la CENI, où l'on doit appliquer cette notion de la représentativité lors des prochaines élections. Même si durant ma mission, j'ai beaucoup parlé de parité, de représentativité, mais c'est parce que nous sommes en ce moment dans une fenêtre d'opportunité de relecture d'une loi électorale et l'objet de ma mission, c'était de venir galvaniser les femmes, faire notre plaidoyer, influencer pour que la parité qui est consacrée dans la Constitution en son article 14 puisse être une réalité. Donc, je tiens à vous rassurer, on n'a pas oublié les femmes rurales. En présence de la représentante de l'ONU Femmes en RDC, Adama Moussa, la directrice régionale de l'ONU Femmes pour l'Afrique centrale et de l'Ouest, a confirmé sa satisfaction pour les assurances obtenues des autorités congolaises avec engagement de répondre à cette exigence sur la représentativité. Et suivez à présent cette journée qui a été consacrée essentiellement aux femmes exerçant le commerce, appelée de quitter l'informel pour le formel. Mamita Bangoul a signé ce reportage. Les femmes et les jeunes filles doivent connaître l'entrepreneuriat féminin en vue de leur permettre quitter l'informel vers le formel. C'est l'objectif à atteindre par l'ONU Femmes en collaboration avec la coordination du projet PADPME, le ministère provincial du genre, l'Agence nationale de développement de l'entrepreneuriat congolais a lancé la campagne pilote de sensibilisation sur les lois favorables pour l'entrepreneuriat féminin et l'amélioration du climat des affaires. La première journée de cette campagne, qui démarre dans la capitale Kinshasa, va se dérouler sur deux suites. C'est aussi une manière de s'acquitter d'un devoir de redevabilité envers la paroisse catholique Saint-Gonza de Kingabwa dans la commune de Limété. Les femmes et jeunes filles de Fepakin, l'un de deux sites nus, on devrait les aider et les amener à percevoir la nécessité de connaître, comprendre et appliquer les lois favorables à leur entrepreneuriat. J'ai choisi, c'était de créer une entreprise et de quitter dans l'informel. Nous avons constaté que les femmes, la plupart de nos femmes, sont en train d'exercer des activités économiques énormes pour faire promouvoir notre pays. Mais elles sont toujours dans l'informel. Pourquoi elles sont dans l'informel et n'ont pas de documents juridiques? Or, avec le message que nous avions suivi,
avec les troupes théâtrales, on leur montre qu'avec peu d'argent, vous pouvez avoir des documents juridiques au niveau du guichet unique. Ici, de noter que cette campagne de l'ONIFEM organisée en faveur de femmes et jeunes filles justifie les projets de la réforme et la dissémination de lois utiles à l'entrepreneuriat de femmes. Elle est organisée dans le cadre du PADPME, projet nœud du partenariat entre le gouvernement et la Banque mondiale. Strong Woman et l'Association des femmes congolaises ont clôturé le mois dédié aux droits de la femme en sensibilisant et en conscientisant les femmes sur la gestion des risques environnementaux. Les détails avec Benjamin Kabouangabou Kassachinaï. À l'instar d'autres institutions publiques, organisations et associations privées, la clôture du mois dédié à la femme célébrée à sa manière par Strong Women et l'Association des femmes congolaises, soutenant les actions du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, sous le haut patronage de Madame Patricia Mujinga Tshisekedi, sa présidente d'honneur, a été marquée par la sensibilisation et la conscience de la femme sur la gestion des risques environnementaux. Nous avons sensibilisé les femmes par rapport à la gestion de déchets, par rapport à la gestion de plusieurs immondices, à la protection de nos routes qui aujourd'hui deviennent des endroits où l'on jette des immondices par notre propre faute. Après les interventions des différentes personnalités, notamment Mesdames Guigui, Diangou Kouloua et Maïsa Gracia qui ont éveillé la conscience de la femme congolaise sur la promotion de l'autonomisation de la femme, l'essence de son existence, sa mission et son apport pour le développement, la représentante personnelle de la présidente d'honneur, Madame Patricia Mujinga Tshisekedi, Judith Lufouman, a fait savoir que cette structure milite pour la promotion de l'environnement et le développement du pays. Elle a aussi exhorté toutes les femmes au changement de mentalité et surtout au travail afin de dompter la nature. Comment faire face à la masculinité militarisée? Cette question a trouvé des réponses à un atelier de dialogue solidaire. Les détails avec Christine Linzou. C'est un atelier de deux jours qu'organise WILPIF pour faire face aux masculinités militarisées. Les études ont été menées dans trois zones, à Goma et Kichanga au Nord Kivu, à Bunia, à Lituri et à Kinshasa. Voilà pourquoi se tient cet atelier qui réunit différentes organisations pour comprendre les pourquoi de cette violence militarisée et des tueries. Aujourd'hui, les hommes continuent à considérer que cette loi n'a pas de valeur et nous n'arrivons pas à voir la parité simplement parce qu'il y a des stéréotypes qui sont ancrés là-dedans, qui montrent que la femme ne peut pas avoir les mêmes positions dans des domaines divers. Au cours de cet atelier, les participants vont aussi devoir analyser ce qu'il faudrait changer dans le programme qui existe pour réduire cette masculinité militarisée. Selon certains d'entre eux, le présentateur socioculturel a ajouté Anima Tundu, présidente nationale de WILPIF RDC. Car avec trop de... Dans sa mission d'évangéliser le monde, la communauté évangélique Four Square Gospel Church a un nouveau représentant légal. Constant Katamba a été investi en présence de plusieurs autorités politico-administratives, nous dit Cédric Kenina. Lié à la conversion le plus d'âmes possible, Constant Onassa Katamba a été investi pour 5 ans de plus à la tête de la communauté évangélique internationale Four Square Gospel Church RDC. Une cérémonie de consécration organisée en présence de plusieurs personnalités, dont quelques membres du gouvernement, le conseiller principal du chef de l'État en charge du changement des mentalités, Jacques Kangoudia. C'est une faveur, Dieu répond aux prières et Dieu place les gens qu'il faut là où il veut construire. Notre pays a besoin de valeurs. Cette cérémonie, c'est une reconnaissance, nous reconnaître le don de Dieu dans l'apôtre Constant. Les consacrés se fixent quatre axes pour accomplir sa mission évangélique. Je crois avoir cité mes quatre axes sur lesquels je vais me mettre pour la réussite du mandat. L'administration qui doit être musclée à l'église de Four Square, la mission évangélisation pour l'implantation des églises de souches
J'ai parlé de la formation. Le comité devant accompagner les nouveaux représentants légaux mis en place, l'apôtre annonce déjà une tournée à l'intérieur du pays. Et puis des nouveaux serviteurs de Dieu à la communauté des églises pentecôtistes, 5 évangélistes et 6 pasteurs ont été ordonnés au cours d'un culte d'ordination par l'archevêque Messa Mouka de l'église pentecôtiste pour la réconciliation. Ces nouveaux néophytes ont pour mission de partager la nouvelle divine aux brebis égarées au service de Dieu. Iverson Kabwaba. La mission pastorale de l'église pentecôtiste pour la réconciliation vient d'agrandir ses rangs. 5 évangélistes et 6 nouveaux pasteurs viennent de faire leur entrée au cours de cette messe d'ordination. Devant les fidèles, ils ont fait le vœu de porter la croix de Jésus-Christ, de servir Dieu tout au long de leur vie et de maintenir l'union de l'église. L'archevêque Messa Mouka de la communauté des églises pentecôtistes les a consacrés, a exhorté ses néophytes autour du livre de Timothée 1, 4 à 12. Il les a appelés à marcher désormais selon le principe divin et de respecter le vœu qu'ils viennent de sceller avec Dieu. Ceux qui viennent d'être consacrés, qu'ils se souviennent de l'imposition des mains des anciens. Donc aujourd'hui, c'était une grande journée qui marque leur entrée dans l'ordre sacerdotal. Ces pasteurs, qui étaient appelés des bergers ou des pasteurs qui géraient des paroisses, mais ce jour ici marque leur consécration, leur ordination. Donc chez nous, ils ont cessé d'être appelés simples pasteurs, mais ils sont aujourd'hui révérends pasteurs, avec toute la révérence. Le ciel maintenant nous permet de pouvoir entrer dans le champ et partout à travers le monde. Ces nouveaux hommes de Dieu ont la lourde tâche de ramener plusieurs brebis égarées au service de Dieu. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. À 19h, Anita Luamba et moi, je vous retrouve demain à 13h30.